إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله nous continuons avec nos leçons explication parole de ban salaf commençons par un sahaba رضي الله عنهم et ensuite ban tabi'in et ban après banna alors nous toujours avec parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hier, nous une parole qui nous dit, c'était une parole de cause concernant Tawhid, So, Valéa, et un démon, il préfère faire un faux serment au nom d'Allah, qui un vrai serment au nom d'un autre apporte Allah. Alors, ça peut montrer nous. Comment Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu devait l'emphase l'eau valet de Tawhid. Nous continuons. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان فيفزعون فيخرون سجدا وظنوا أنه أمر الساعة. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les cause une parole, un wahi, un habitant l'échelle se donne un tapaz, comme un tapaz, un ferraille, qui fait rissa, l'eau, un russe, lisse, un nagaïpéa, se tombe dans sajda, et se pense qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une odun pour une qiyama. Faïda fuzzi'a an qulubihim tanadaw. Maintenant, قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. La prière finale, depuis le Kéa, un appel l'autre entre les autres et se demander qui se trouve finir. Lela, Banna, Dia, Nourab, finir la vérité. L'Ali, le plus haut, Al-Kabir, le grand. Donc, dans sa atar-là, parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y a plusieurs choses qui nous comprennent concernant nos aqidah. Premier, comment Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, il a takallama bil wahyi, quand Allah lui cause un causé, lui cause un wahyi. Ça, c'est aqidah qui est clair dans le Coran, dans le hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et ben salaf, c'est toujours là, qui nous croit dans un Allah vivant, nous pas croit dans un Allah mort, nous croit dans un Allah réel, mais n'a pas croit dans un Allah juste dans l'imagination. Et alors, Allah en tant que le vivant, Allah en tant que celui qui fait ce qu'il voulait, quand il voulait, comment il voulait, il y en a un attribut, Ali, propre Ali en tant que créateur. En tant que créateur, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un bout de rousse qui n'a pas causé, ou bien un bout du bois qui n'est pas capable de faire aucune action. Allah, le Rabbul Alamin, l'a causé. Allah l'a causé. Malheureusement, il y en a dans sa ummat là, où on peut dire, un sec qui prend naissance, un démenti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a causé. Il dit comment? Il clair. Parole d'Ibn Mas'ud, il a takallama bil wahi. قال لي كوز ان وحي سمع اهل السماوات بان habitant les cieux je donne ça un deuxième qui te sort encore les gamins qui certaines filles tombent là-dedans quand je dis ah oui Allah Coran c'est parole Allah je donne tout qualité interprétation explication qui veut dire causer veut dire quelque chose qui est là à l'intérieur d'Allah et sa cause est là. C'est une cause qui patentait ça. Patentait ça. Alors, la parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y a une explication claire, alors là, qui parole Allah, il y a une petite chose qui tendait. Jibril, alayhi salam, l'intonne parole Allah, pareil comme Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu causes avec Moussa, alayhi salam, tu tonnes. Parole Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, ben, habitant l'échelle, je donne un tapas, comme un tapas, un ferraille qui un peu traîne ça, le un rose lisse, et ben là, il y a un pire. Et ben là, il y a un pire. Alors, ça montre nous, parole d'Ibn Mas'oud, il prouve aussi qu'Allah, il a haut l'échelle, il a haut l'échelle, parce qu'Ibn Mas'oud, radiallahu anhu, qui fait une intervention, ben, habitant l'échelle, je tonne ça, et il pense dire tout, ben, créature, attendez, parce qu'il y a une différence entre, ben, habitant la terre et ben, habitant l'échelle. Il y a une différence entre habitant la terre et habitant l'échelle. Il dit, ben, habitant l'échelle, tonne ça, veut dire, ben, habitant la terre, ben, attendez. Qui fait, ben, habitant l'échelle, tonne, ben, habitant la terre, ben, attendez, parce qu'il se plie proche avec ça. Je suis plus proche avec ça. Donc, ça prouve nous qu'Allah est là-haut l'échelle. Ça prouve nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là-haut l'échelle. Et ça prouve nous aussi que ben ange, je dresse dans l'échelle. Ben ange, je dresse dans l'échelle. Je n'ai pas descendu dans la terre, excepté par permission Allah pour un travail qui est ordonné pour faire. Ben habitant l'échelle, je donne ça. Et je gagne pire. Et je gagne pire parce qu'il y a une petite chose qui peut sortir depuis Allah. Une petite chose qui peut sortir depuis Allah. Je gagne pire, je fais des sajdas tout de suite. Je fais des sajdas tout de suite. Je pense attention à Allah qui nous ordonne pour une priyama. Attention à Allah qui nous ordonne pour une priyama. Alors je tombe dans sajdas avec la frayeur dans ce léquerre. Avec la frayeur dans ce léquerre. C'est mon ange, ça montre nous. Aussi, un ange, une qualité qui vient là dans eux, une meilleure créature qui peine le mal dans eux, alors les cœurs remplis avec la prière Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve nous, nous aussi, si nous faisons pour augmenter l'iman, plus nous iman augmenter, plus la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala augmenter, et plus la prière pour Allah augmenter, plus la frayeur va augmenter, plus nous avons une meilleure réaction de nos parents face à l'avertissement d'Allah, à l'ayat d'Allah et aussi à la calamité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En passant, le fait qu'il nous peut causer la même, une réaction face à qu'était une parole qui sortit depuis Allah. Je paie attention, c'est. Attention, c'est Qiyama. Alors, comme ça même, nous gagnons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme hadith rapporté par Aïcha, si vous m'avez rien, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver l'échelle, une couvée, à l'état, une barrée, nature, insane, les contents, il peut trouver l'étang, une barrière, l'échelle, une couvée, mais il peut tomber. Aïcha radiallahu anha, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux rentrer, je peux sortir, figure, il se physionomie sans air, figure, peut paraître, il peut gagner pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut gagner pire. Aïcha dit, quand la pluie est tombée, il n'est pas fini la haute piste qui ça, c'est juste la pluie. Il est là qui figure Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est normal. C'est là qu'il figure le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est normal. Il dit, quand Aïcha, radiallahu anha, a fait demander, il dit, mais comme ça même, tiens, le peuple de Ad, quand calamité peut venir, je peux croire, la pluie peut venir, quoi, je peux content, je peux content. Alors, si nous appliquons ça, l'eau, nous, là, 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 ce n'est pas une petite chose qui peut encore venir. Qui nous disait, et dans la prière, attention, les vins contre nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, niage, bévini, l'étang, insensé, pas encore arrive quelque chose, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pépé, attention, arrive quelque chose. Alors, imagine-nous, c'était nous dans nos contextes. Quand nous guettons Corona, c'est un avertissement d'Allah, c'est une calamité d'Allah. Ce n'est pas quelque chose qui nous peut tanner l'été pays ou bien l'été pays. Nous peut tanner l'infini rentre dans nos pays. Alors, il n'est pas possible un musulman, il est encore peut badiner avec cette chose-là. Ou bien,
Les peines, amen, c'est la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pas une crainte, c'est la frayeur Allah dans ce lekia. Nous pas bien corona lui-même, seulement en tant que calamité depuis Allah, nous disons, un musulman, il disait, la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas capable de connaître qui est, qui, comment ça peut être terminé. Comment ça peut être terminé? Pareil, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut trouver l'état insensé, l'état couvert. Alors, en général, il y a des gens qui peuvent dire, la pluie pour tomber là, c'est même tout. La pluie pour tomber là, c'est même tout. Le prophète, quand il les trouve, l'état couvert, il ne pas trouve. La pluie pour tomber, c'est même tout, non. Il n'est pas capable de connaître qui est là dans sa niaz là. Attention, une calamité, Allah subhanahu wa ta'ala peut venir. Donc, ça c'est. Pas connaît si pas les contenir calamité ou bien nous guette réaction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous déjà dans une situation qui nous peut vivre une calamité de Allah subhanahu wa ta'ala qui paralyse le monde en entier. Il paralyse le monde en entier. Comment ça peut terminer? Qui pour nos situations après des semaines, après un mois, après des mois, après un an, qui pour là, qui pas pour là, Allah tout seul comme meilleur. Et si un musulman, d'après le Coran, quand nous trouvons calamité d'Allah, nous implore Allah, nous retourne vers Allah, alors alhamdulillah. Mais si calamité Allah, ça ne crée aucun affrayer. Nous, pas si ça ne crée l'affrayer, nous encore peut badiner le nom Corona, nous encore peut badiner avec ça. Et pas plus, en plus de ça, nous ne pouvons pas montrer aucun. Ne pas montrer que ça finit dans l'effet, nous. Alors, il est vraiment une petite chose qui est vilain et il n'est pas dit d'un musulman qui est un iman. Il n'est pas dit d'un musulman qui est un iman. Comment un peu de cher dire, et un peu je peux encore imaginer avec ça et je peux continuer tant qu'il sera pas tous un, pas rentre dans ce placard, d'une façon quoi aller, il n'est pas tous une famille dans pour eux. Et là, qui se pourra rebadiner avec ça. Alors, nous pas attendre une petite chose pareille. Comment? Il y a des gens, les bédias, qui se là, si pas dans tel endroit, dans tel endroit, ils pas encore dans nous l'endroit. Alors, comme si je te sentis, je te safe, ou bien je te sentis, je te à l'abri, comment dire, il n'y a pas encore une petite chose sérieuse. Nous pas peut réaliser qu'une petite chose là, il pas si pas, il dans le sud, ou bien il dans, Central Plateau, il n'y a pas encore une l'eau, il pas ça. Qui te sera dans la Chine, l'infini rentre, Maurice, à ce nous, s'il est dans tel endroit, nous encore peut trouver, comment dire, impossible de rentrer contre nous. Oui, impossible si Allah Rabbul Alamin l'in décrété comme ça. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'in décide une petite chose, l'in décide autre que ça, alors, pareil comme au commencement, quand nous pétons Corona dans la Chine, et ben, Jahil fait tout qualité commentaire. Personne ne pense que ça qui soit arrive dans ce endroit. Et certaines, dans le monde en entier, ils viront, c'est pas de descendre des pays dans le monde. Combien de monde finit par dire la vie? Combien là-dedans, peut-être, l'infini mort avec ça, au commencement, quand il peut être un corona, il fait badiner. Il n'est pas capable d'imaginer même qui de chose là pour rentrer dans ce pays. Il ne sera pas nécessaire de rentrer dans ce pays, il rentre dans ce pays, il rentre dans la case, il rentre dans ce kabar. Qu'Allah Ta'ala protège nous. Donc, ça attarde là. Et bien, montrez-nous un musulman face à un petit chose qui sortit depuis Allah. Nous devons montrer un affrayer. Nous devons montrer un affrayer. Donc, get ban sahaba, ban ange. Comment je ne t'en une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin prononcer, je donne une parole, je paie, je t'aille dans sajda, et je peux paie, attention Allah subhanahu wa ta'ala, fin ordonne pour une qiyama. Alors, fa'idha fuzzi'a an qulubihim, quand la prière fin éloignée des pisotes l'équerre, qala madha qala rabbukum. Et là, tanadaw, un appel l'autre, je dis, mais c'est pas qiyama. Mais qui Allah te l'a fait dire? Qui Allah, qui est notre Rab fait dire? Là, je dis, ben Rab, il dit une vérité. Il dit une vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, ce parole, c'est pas, c'est ça, la vérité. Et Allah dit, Al-Ali, celui qui est plus haut, Al-Kabir, celui qui est plus grand. Donc,
ça athar-là est un grand athar, surtout, un grand leçon là-dedans, surtout pour nous, dans la situation qui nous était, nous bizarre, développe dans nous, ce qu'on appelle la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous, à travers ça, nous repousse de nous, par la calamité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous retourne dans une situation normale, que nous capables retourner vers masjid, nous capables retourner vers masjid, n'est pas une petite chose qui, avec plaisir, un dimanche reste dans la case, n'est pas faire le masjid, ou bien avec contentement, pas faire djumma, n'est pas comme ça, c'est plutôt avec un chagrin, qu'un dimanche peut bien vivre l'orati Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ait le masjid, sans qu'il ait pu faire salat en jama, et là, après, d'un moins qu'il y a un mois ramadan, peut venir Allah comme hier, contre nous, ou bien les autres places, comme ramadan pour traverser, alors, nos bisins, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, retourne vers Allah, retourne vers din Allah, retourne vers ce qu'Allah rabbul alamin, l'élin de nous comme din, retourne vers l'obéissance, retourne, je veux dire, retire à nous, que puis ben haram, qui nous tient là-dedans. Arrêtez avec gaspillage, les temps, dans quelque chose inutile. Même avec cette affaire Corona, perdre les temps qu'on utilise. Dire. Suivre tout ce qui peut traverser, essayer comme tout ce qui peut traverser, ça, c'est pas qualité d'un musulman, d'une situation pareille. Alors, quelque chose qui est important, il connaît. Quelque chose qui, pas peut concerner, n'est pas important, il n'est pas perdu sur les temps avec ça. C'est pas tout l'article. Tout clip qui peut rendre compte l'île au corona, les mises en lire, ça c'est perdre des temps. D'un moment pareil, un musulman n'est pas supposé même perdre des temps. D'un moment pareil, les pays ne pas perdre des temps. Les mises plus retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les mises plus retournent vers ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre parole par Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Rapporté par Al-Shaybani, il dit « Sa'altu zirran an qawlihi ta'ala fakana qaba qawsayni au adna fa'awha illa abdihi ma awha. » قال « Akhbarana Abdullah anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibrila lahu 900 جناحين. ألو. الشيباني جاء من دمن زر. كونسنا بقول الله. دا سورة النجم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. لي. لتلوين ديستانس. دي دي أرق. أو بلي بريكيسا. ألو. لي. فين ريفيل أسو إسكلاف. سكي لي فين ريفيلي. ألو. زر. Al-Shaybani dit à mon demande, Zir, concernant sa ayette là, l'itilo en distance de dehors, qui s'en a sa li là? Qui s'en a sa li là? Là, Abdullah ibn Mas'ud, l'idia mon demande, Abdullah ibn Mas'ud, l'idia qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve Jibril et l'itina 600 les îles. L'itina 600 les îles. Alors, ça c'est. Un bariban, athar concernant parole Allah subhanahu wa ta'ala, tafsir de ça, de sa ayat là, peut montrer nous qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion de Mi'raj, les fin trouve ange Jibril dans ce forme qu'Allah a traf une créli, et que Jibril alayhi salam, il y en a 600 les îles, il y en a 600 les îles. Alors ça, c'est un peu un atal qui peut montrer nous grandir une créature d'Allah. Une créature d'Allah. Si Jibril alayhi salam, une créature d'Allah, qui est autant grand, il y en a 600 les îles. Parce que imagine où Allah Rabbul Alamin, les créatures de Jibril, qui se grandir. Alors, un musulman ne faudrait pas lui vivre au salatier là, lui vivre comme si il peut dans la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala dans celui qui est toujours en relation,
des situations qui nous fait vivre, Allah Rabbul Alamin peut montrer nous comment quitte le grand créateur du monde finance nous face à un petit virus qui trouve même il n'a pas trouvé. Quand j'ai la frayeur, finir la délégué de ban kafir, de ban mushrik. Et même certains ban, ban désobéissants pour un petit virus qui ne sera pas visible même. Allah Rabbul Alamin peut montrer insan comment tu faible et tu bizarre Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit virus finit pas à genoux toi ou bien fait paralyse toi. Un petit virus paralyse ça le monde là en entier. Imagine-toi ton grand Rab. Imagine-toi ton Rab qui grand. Quelle quantité un musulman lisant paie Allah subhanahu wa ta'ala quand une créature comme Jibril il a 600 les ailes. Alors ça c'est nous, Aqida, qui est un ange, il a les ailes, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention d'un. Premier ayat dans surah Fatir, 35. Un ange, il a les ailes des 3 ou bien 4 ou bien plus que ça. Dans notre Atar, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, l'idia, من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. Quand il y a un signe du Qiyama, c'est qu'il y a un dîmon qui prend un masjid comme un chemin. C'est qu'il y a un dîmon qui prend un masjid comme un chemin. Alors, toujours, comme nous te dis, les sahabes, radiyallahu anhum, Omar ou bien Mas'ud, quand je te cause concernant un signe Qiyama, ou bien quand je fais cause concernant un ange, l'oléchil, ça, c'est pas une parole qui je dis à pas même. Je me disais, gagne ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, fait cause concernant Ashrat al-Sa'a, pour un signe Qiyama. Donc, ça prouve nous qu'un musulman, les bisins croient dans Qiyama, et les bisins croient dans un signe Qiyama. Les bisins croient d'un signe Qiyama. Mais là, bien pourtant, toujours en relation avec Corona, nous avons tout qui a été démon, tout qui a été jahil, tout qui a été explication. Corona, c'est Dajjal, ou bien Corona, c'est ici, Corona, c'est là-bas, Corona, c'est signe Qiyama. Allah, Allah, comme il y a, comment un démon, je vis au salatier là, sans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, c'est ce qu'on appelle signe Qiyama. Ce n'est pas Corona qui pouvait nous faire, nous connaît, qui appelle signe Qiyama. Signe Qiyama, il finit mentionner le Coran et le Sunna. Et non, il n'a pas ajouté là-dedans. Non, il n'a pas ajouté là-dedans. Mais ce qu'il mentionnait comme signe Qiyama, dans le Coran, ce qu'il mentionnait comme signe Qiyama, dans le Hadith, nous n'avons pas le droit d'ajouter. Non, il n'y a là-dedans. Même, elle fait parler, une parole de l'imam Ahmad ou une parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il veut dire, si Qiyama, c'est telle chose, on n'a pas le droit d'accepter ça. Parce que si Qiyama, c'est connaissance de l'avenir qui perd dans le futur, qui personne ne peut finir dans sa connaissance-là, excepté Allah et ce qui le prophète, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit informe sur Rasoul, ça même tout. Nous ne sommes pas capables d'ajouter si Qiyama. Mais ce qui, vraiment, on ne peut pas comprendre comment Jimon capable de faire encore écouter certaines ban oratères. Comment Jimon capable de faire encore écouter certaines oratères. Pejaou, tel les rois, ou bien tel qui chose, un tel, il donne tel l'argent, il n'a pas. Mais comment tu es là-bas, Jimon lundi à toi, comment tu es comme ça? Tout Jimon persiste pour écouter. Tout Jimon persiste pour écouter, si pas, pour tel développement, un tel, il prend tant l'argent, il a donné ban, quoi dire, l'équipe de Dajjal. Il a donné à l'équipe de Dajjal. Comment donne comme ça? Et Jimouna peut encore écouter. Jimouna peut encore écouter. Alors, il bon, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas écoute toute qualité, Jimoun. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, parmi ces qiyama, c'est qui? Ben Jimoun, vous prend masjid comme ban chemin. Et là, là aussi, il y en a certaines.
Finesse applique Saban Hadith. Là, il y a un Hadith avec un passant par le Ibn Mas'ud, ce parole. Mazib quoi délaissé, Mazib pour une convention même, et n'a finesse période applique ça dans l'époque actuelle. Définitivement, il n'est pas applicable. Si Mazib, nous pas délaisse Mazib, nous pas délaisse Mazib, mais temporairement, nous peut éviter rassemblement. Nous peut éviter rassemblement. Parce que c'est dans sa façon là qu'il pourra permettre à Allah subhanahu wa ta'ala de capable d'empêcher l'infiltration ou la propagation de sa virus. Là, nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas connaître. Alors, qui s'en a été, qui s'en a fini, il a gagné ça, comment il a affecté un tel ou bien un tel, à cause de ça. Donc, pour les bancs qui Mazib pour être délaissé, c'est pas ce qui peut traverser actuellement. Mais nous n'avons pas de délaissé Mazib. Nous pas de délaissé Mazib. Nous encore une façon de parler dans les quais entiers les mondes, Mazib encore dans les quais des bancs musulmans. Au contraire, malgré que c'est un erreur qui certains peuvent persister pour rester dans Mazib, et pour dans Bangladesh, ou bien je ne me rappelle exactement, la police peut bien venir tirer sur les Mazib. C'est un erreur de ce pas, mais ce qui ne veut pas dire, un musulman en tient les mondes, donc toujours content nos masjids, une envie retourne vers nos masjids. Alors, hadith, la parole de Mas'ud qui a dit, masjid peut être délaissé, le guadien chemin, ce n'est pas ce qui peut traverser, c'était l'annoncé, l'époque avant Qiyama, que Dimoun délaisse masjid, Dimoun arrête al masjid, arrête fréquent masjid, mais là, il y en a un qui peut empêcher, mais eux, ils ont arrêté aller. Je finis, arrête, allez, c'est ça par l'ode, et il y a un hadith dans sa façon-là, qui promet ben si qiyam, et djimoun pour délaisse masjid, jusqu'à ce que masjid minan, un chemin, ou passeport-là, pour aller sans faire salat là-dedans, sans faire salat là-dedans. Alors, c'est ça, un des paroles de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى إذن وفتي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.